Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ah, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Vous branchez sur l'édition Hébreu 13.8. Chaque mercredi à 7h30. Chaque jeudi à 7h30. Chaque dimanche à 7h30. Donc, qu'est-ce que schedule ça yo? Justement, pour capable suivre le programme Hébreu 13.8. Qui c'est au ministère à travers le monde. C'est un plaisir pour nous ensemble. Un plaisir pour nous discuter sur la parole de Dieu. Nous saluer tous auditeurs, auditrices qui écoutent nous sur la ligne. Donc, une salutation spéciale. Que le Seigneur Dieu capable bénisse nous toutes. Eh bien, comme à l'ordinaire, nous présentons la sœur Bernadette Mathurin. C'est lui-même qui toujours introduit émission ça en cantique, un cantique béni, capable de réjouir nous. Donc, on met coutel, étendel et suivre et soyez extrêmement bénis. Que le Seigneur capable béni chaque ami à travers le monde. Sœur Bernadette Mathurin, donc, vous êtes capable de commencer pour la gloire de Dieu. Gloire à De la Dieu. grâce de Dieu à tous les collaborateurs. Nous rendons grâce à Dieu qui bénit nous et qui attire nous la présence de l'Assemblée. Nous allons chanter pour la plus grande gloire de son nom, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas dans sa grâce. Je sais que je suis la vie.
Alléluia, merci Seigneur. Il m'a sauvé par son amour. Alléluia. Il m'a sauvé au passé. Il m'a sauvé par son amour. Et m'attend retourné. Alors, les chants t'écrit. Ça a fait longtemps depuis n'a chanté cantique là. Mais pratiquement, il y a une révélation beaucoup plus grande. Alléluia. Non seulement n'attend la grande manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous sûrs et certains qu'il est avec nous et en nous. Merci la sœur Bernadette Mathurin depuis nous rencontrer et moi béni maintenant à travers des beaux cantiques, des beaux chants et nous bénissons les seigneurs espérant ministère s'arrêter pour vous, pour la plus grande gloire de son nom, pour capable vivre présence lui. Merci Seigneur, m'espérer que Dieu va faire plus bagaille avec ou toujours. Amen. Eh bien, à nous rentrer dans la prière. Chaque mercredi, nous toujours quitter espace là. Après, nous fin parler de la parole faites chair l'esprit qui manifeste en chair là, l'infini remplit nous à travers parole là, et bien on capable chanter un cantique pour bailler le Seigneur gloire. Mais pas oublier que émission yo fait et nan videyo, kote fre nou yo ak se nou yo kapab jwen emisyon. Sa ve dir yo pa perdu, yo la. Donk selman tape David Siray. D-A-V-I-D, kom sa se prononce, Siray se I-R-A-I-L. Donk pou tout lot komantèr, ou capable taper Siray David 075 et puis à commercial et gmail.com. Donc, ou capable faire tout commentaire que possible. C'est une édition qui prêt pour nous communiquer ensemble. N'a réglé yon causé qui plus grand passé la terre. Nous gagnons dans un domaine prêcher l'évangile, les plus précieux passé n'importe bagarre où tu es capable de sur la terre. Donc, nous engagés, ce sont des engagés que nier. Donc, nous doit poser question, yo. Donc, quelle que soit question yo, parce que question yo bénim, quel que soit j'en pose, le moins béni. Donc, ou mettre poser question pour nous capable ouais également qui côté le plus souvent et nous capable parler surtout de la parole de Dieu. Un pile sujet que nous traiter, c'est à travers question que vous posez. Nous pas voulu répondre yon personnalité individuellement parce que n'a prend trop de temps. Voyons, n'a prend trop de temps pour nous répondre yon individu, yon question, nous traiter et puis li passer sous vidéo, notamment ou capable joindre à tout moment. Donc, m'espérer que vous comprenez ça. Il y a un pile d'amis qui a aimé nous répondre aux questions individuellement. Mais non, ce n'est pas possible tellement qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Il y a un pile de monde qui a aimé connaître la vérité.
La vérité à la folle éparpillée à travers le monde, l'ennemi à travers le monde, à travers les élus. Les élus, les sauvés. Donc, et on met toujours poser question, yo, et puis qu'on s'en va rejoindre. N'a pas demandé tous les amis qui, à peine branché sous l'INA, mettez-vous sous mute, et puis l'on a accès, ou a capable de parler ou bien chanter. Justement pour la gloire de Dieu. Mettons sous mion. Et pour monter, c'est ça que fait de nos jours, nous, pas bail, numéro avec des bien-aimés qu'on ne connaît. Et quel que soit bien-aimé, cap, bail, numéro, téléphone, émission, il faut l'expliquer ça. Le service-là a commencé, ou pas capable de faire intervention, ou bien, nous, pas de problème, ou mettre pas monter, et puis, ou avoir une vidéo sur YouTube. Sur tous les réseaux sociaux, donc la meilleure, ben c'est la bonne. Donc, fais ça pour nous, mais nous t'a voulu comprendre. Si t'as rien entendu en direct, l'op monter, mets ton petit discipline, mets ton sous mute, justement pour ne pas et bah, problème avec l'autre ami, auditeur qui a écouté. Eh bien, rapidement, en nous, la prière. La prière, c'est une clé, une communication. Alors, communication avec le Seigneur, c'est en permanence. La prière, c'est en permanence. La prière n'est autre que l'inspiration de la parole. Ce n'est pas au moment où on priait et puis où douter prier. Non, prière là, continuer dans le cœur, dans l'amour, à travers l'inspiration de la parole. Parfait, même j'ai la religion. Si la religion pas venu au temple pour le prier, il pas prier. S'il parle non veille de nuit, il pas prier. S'il parle non jeûne, il pas prier. S'il parle non building, il pas prier. Non, oui. Prière là, c'est l'inspiration. Ça fait continuellement dans la vie. Ça veut dire la prière, c'est la Bible dit, prier sans cesse. C'est ça signifie. Mais pour nous lever voix nous à travers lève nous. À travers être nous, pour frais nous, yo capable tendre et comment parole la manifestant dans le cœur, dans l'âme nous, donc nous levez voix nous. Mais la prière, c'est une continuité de l'inspiration de Dieu. D'arrêtement comprendre ça, ou même auditeur, auditrice, cap côté sur les ondes de la radio et sur YouTube. Donc, nous demandons pour aider nous comprendre quelques réalités, parce que nous avons sorti dans levé joint pendant 2000 ans. Levé joint, non, nous avons sorti la donne. Parce que si nous n'avons pas sorti la donne, tout nous marrer, nous avons marrer comme crabe. Vous avez un crabe, il y a un marrer. Donc, c'est comme ça nous avons pillé. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur, c'est pour nous sortir dans le lever joint. C'est pour nous transformer en esprit comme les vrais adorateurs. Pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, on nous dit quelques mots de la prière. Père céleste en Jésus-Christ, nous. Adorer omnipotence, parce que c'est puissance là, ou c'est pouvoir, car déclaré dans la parole, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Merci pour cette puissance. Merci Seigneur pour ce pouvoir. Pouvoir, ça Seigneur, l'infini. Merci. Parce que pouvoir, ça a couvert nous. Nous adorer au Seigneur pour omniprésence. Omniprésence, ça veut dire où là, autour de nous, en nous et à travers le monde. Merci, parce qu'on n'a pas fait aucun pas, ou pas déplacé ou autour de nous. Si on n'a pas surveillé nous en ce sens, nous avons fait naufrage. On t'a perdu route là. Mais puisqu'on a guidé nous,
guider le monde ou avec yo en yo et ou déclarer ou servir de cœur comme trône son mystère l'homme de chair pas comprendre ça yo n'a mande autant prie Seigneur ajouter présence sous de jour en jour dans la vie nous pour nous capable ouais ou dans gloire dans puissance ou dans autorité ou. Nous adorer Seigneur omniscience ou pas gain passé ou pas jamais gain passé ou car tu es la science des sciences ça veut dire ou connaît toute bagaille ou connaît le passé ou connaît le présent ou connaît le futur c'est vraiment un Dieu qui n'a servi un Dieu qui pas raté et de rien ou au-dessus de toute chose pas rien qui a échappé au contraire c'est eux-mêmes qui permettent toute bagaille manifester ainsi toute gloire c'est pour merci pour auditeurs nous yo qu'on permet d'attendre et téléspectateurs nous yo téléspectatrices nous yo merci merci Seigneur pour édition Hébreux 13:8 ou ranger ainsi pour permettre les voyager à travers le monde pour arracher des âmes qui dans des liens et pour capable libre pour affranchi totalement par la vérité et la vérité absolue bénigne parce que nous déjà des hommes et des femmes bénis mais inspirés dans nous chaque jour et dans vie pour nous reconnaître nous c'est des hommes béni pour ne pas quitter rien fait nous comprendre ou pral béni nous non ou béni nous déjà c'est pour nous d'accord que manifestation bénédiction ça manifester à travers nous à travers foyer nous à travers petite nous à travers famille nous à travers téléspectateurs nous yo, à travers auditeurs auditrices Seigneur aidez-nous à croire ainsi. Car Seigneur, ou pas un Dieu pour ban menti, parole ou c'est la vérité. Pendant la coûté là, gen nous qui besoin guérison, yon guérison sous deux formes. La guérison physique, nous besoin la guérison spirituelle. Car on dit d'abord, cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout reste yon va venir comme yon dégui, yon retail qu'on réservait. Mais la plus grande chose, c'est ton royaume. Merci et avec nous et préparez-nous, Seigneur, pour le jour même de la manifestation de ton esprit. Père, nous prions dans le nom, le plus grand nom de la terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pas oublier, c'est toujours Frère David, animateur à édition Hébreux 13:8, qu'on toujours attendait. Et soit sur Facebook, et nous remercier le Seigneur, parce qu'il bat nous une grosse télévision. Facebook vient un plus grand média à travers le monde. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu, c'est lui, bon Dieu vrai. Et même et chambre aux États-Unis, sénateur, yo réunis sur Facebook, yo réunis sur YouTube. Vous comprenez? Yo réunis pour signal la cavoyer à travers Facebook, à travers YouTube, sont besoin moun koute ou. Donc, il y en a plus grand média à travers le monde, c'est Facebook, YouTube. Longtemps, il y a des difficultés pour nous payer une station de radio, pour nous faire l'évangile passer. Dieu créé un moyen pour l'évangile car éparpillé à travers le monde. Merci le Seigneur. Bénissons le Seigneur pour ça et vous remerciez le Seigneur
et à moun qu'elle bail permettre intelligence capable ouvrir télévision sa yo à travers le monde pour le monde capable et joindre réalité de ta parole. Merci Seigneur. Comme nous disons, chers téléspectateurs, amis auditeurs qui ont écouté spécialement sur la radio La Foi Apostolique, nous gagnons amis nous qui toujours qui fait du bon travail. Et nous-mêmes, nous bralons bagaille là sur les ondes. Moi-même, les petits gens difficiles pour me cacher absolument rien. Moi, c'est un livre ouvert. Je remercie PDG Radio La Foi Apostolique qui prend vidéo nous yo li reformuler yo li mettez belle préparation pour le voyer yo sur YouTube sur Facebook permettre un pile monde capable garder yo. Nous remercier le Seigneur d'abord et nous remercier le frère Patrice et Saint-Just, qui c'est un caméraman qui fait de grands reportages, belles bagailles. Remercier le Seigneur. Merci parce que le Seigneur connaît. Et au fur et à mesure, il voyait de monde en dans le ministère. Et 10 ans ou bien 15 ans avant, je n'ai pas de personnalité, ça. Mais Dieu connaît. Comment le préparer, comment pour le travail, pour son travail. Eh bien, il voyait des hommes et des femmes gen la dan yo, qui commençaient, mais pas continuer. M'pa ka di c'est faute, parce que l'évangile, c'est consalier. L'évangile, gen moun qui pas capable fin kous la. Donc, c'est comme ça Dieu planifie. Donc, en pile fois, ça capable de déranger moun, ça capable de déranger même moi-même. Mais cependant, c'est ainsi. Je ne pas qu'on a hasard. Et je crois en réalité que Dieu est créé ou bien préparé pour nous. Je crois en ça. Je ne crois pas au hasard. Ce n'est pas au hasard que j'ai gagné la sœur Bernadette Mathurin. Ce n'est pas au hasard. Moi, j'ai gagné ce Carole. Ce n'est pas au hasard. Moi, j'ai gagné tant d'autres et tant d'autres bien-aimés qui font partie du ministère ça. Donc, ce n'est pas au hasard. Jamais y a un hasard. Jamais y a un hasard. Donc, c'est un mystère qu'il a. Donc, même Jean la Bible déclaré dans Matthieu 25. Alors, Jésus-Christ présenté parabole là, il dit à une série de monde, il était l'hôpital malade, il n'y a pas de vinouel. Il était grand goût, il n'y a pas bal manger. Il était en prison, il n'y a pas vinouel. Ainsi de suite. C'est une parabole qui identifiait à serviteur, yo. Serviteur qui est instrument, bon Dieu. Et puis Jésus-Christ parlait à un autre groupe de monde. Il y a un groupe, l'été dans prison, yo vin ouel, l'été grand goût, yo bal manger, l'été l'hôpital, yo vin. Ça, c'est une parabole. Ça veut dire. Le ou entrer en bas ministère, yon homme de Dieu, ou rentrer à tout cœur, à tout amour, donc, ou faire la moindre chose dans le ministère là, c'est pas perdu. C'est bon. Alors, ça dépend qui ministère ou entrer en bas. Faut ministère là, son ministère est identifié par Dieu. Yon ministère qui est réclamé par Dieu. Donc là, on n'a pas gagné, on perdu tout son fer dans le ministère là. Donc, il n'est pas perdu. Et Dieu n'a pas payé des choses terrestres. Parce que déjà, des choses terrestres déjà réservées à où déjà? En d'autres termes,
Moi, dit tout bien-aimé qui fait partie, qui met main dans le ministère, ça. Il y a un ministère aussi difficile qu'à dénoncer, vous comprenez? Et les choses ténébreuses, donc, il n'est pas aussi facile. Il n'est pas facile. Donc, l'on fait ça, il te met un jour que vous passez là tout cœur, à tout amour. M'encourager ou pas faire dans l'hypocrisie, mais faire là tout cœur. Et fais la toute norme. M'espérer, tout n'est pas perdu. Maintenant, bon, m'ajouter samedi. Et pendant mal sur YouTube, alors sur Facebook, et puis, moi, je joins une communication qui dit, pour me filer un document pour fundraising. Et puis il me dit, comment je vais gagner fundraising ça? Et puis je commence à lire. L'aime lire, moi lire, moi lire, moi joindre, c'est Facebook qui voyait. Il dit, bon, mais ça au café, mais ça au café, mais ça au café. Et l'a légalisé. L'a fait favor en citoyen légalement, et puis, mais ça qu'a fait, mais ça qu'a fait. Bon, y a bien aimé que pas d'ab dit ça. Il parle sur les ondes, il parle de tous côtés, ça m'a dit. C'est un livre ouvert, moi. Bagan m'a fait en bas table. L'évangile, nous toujours dit, c'est pas un factory lié. Si c'est business spam, lié. Personnel. Mes clés caïman, ça c'est personnel. Les choses, des choses personnelles, les normales. Mais depuis l'entrée dans le cadre ministère, ce n'est pas bagaille qui doit être en cachette pour chaque monde qui a fait ministère. Maintenant, et puis, m'a discerné application, me dit, qu'est-ce monsieur, même en face de là, me dit, mes ministères là, me coucher et puis me prendre temps m'a réfléchi, m'a alors m'a discerné, prier dans comme ça veut dire inspirer. Et puis m'a dit qui ça me fait là? Me dit qu'est l'évangile pas qu'à prêcher sans l'argent. Et l'évangile comme ça m'a prêché. Il besoin comme non assemblé côté mieux. Des moun qui pas fait partie ministère là, le fait que nous pas prêcher comme. Nous pas prêcher l'argent même. Nous prêcher une participation selon le cœur. Donc, nous grandissons comme ça. Nous grandissons comme ça. Il y a des hommes, moins qu'on est clairement, c'est parce que le pagain comme. Il n'y a pas de cadeau au ministère comme ça. Mais au pape joindre, moun quitte Shalom. Assemblée Shalom. Shalom, qui est Durie, Haïti, etc. Un tas de choses. Yo gade yo pasteur kapab. M comprenne ça. Et c'est pas faute, c'est nan l'homme lié. Faut arriver dans la dimension pour le comprendre. Surtout ministère, ça, pas facile. Alors, pour me faire le coup, m dit bon, si yon moun vle faire un don à ministère, ça, m pa pral prendre un 100 dollars, un 200 dollars. Ça va pas faire rien. Et puis, et dans le document marqué, et est-ce que c'est un prédicateur cap training et des évangélistes à travers le monde? Effectivement, c'est ça me fait. Le, moi, enseigner la parole, ça veut dire que j'ai des évangélistes à travers le monde. Fille ou garçon. Ça veut dire que vous avez même langage, vous prenez langage là, vous pouvez l'aller. Vous avez des évangélistes à travers dans Saint-Domingue, Chili, Haïti, Canada, la France, partout, même aux États-Unis. Ça veut dire m'a fait du grand travail. Ça veut dire c'est pas un travail qui m'a suscité moun à faire ça qui pas bon. Au contraire, m'a ramener moun yo en esprit
pour yo déposséder yo des choses terrestres, pour yo rester en esprit. Donc, c'est pas moun me préparer pour faire violence. Au contraire, me préparer des hommes et des femmes humbles. Ça veut dire l'or en esprit, ou pas qu'elle n'a goumé, ou pas qu'elle n'a touye moun, ou pas qu'elle fait moun mal. Parce que c'est en esprit, ou voulez rester, ou voulez vivre présence, bon Dieu. Ça veut dire son grand travail. Et puis, des jugés bon, me dit, combien comme? Me dit, si me file application, yon moun bay, me pensais à 10 millions de dollars. Et puis, me file, il m'a été 10 millions. Facebook dit, non, yon pas capable de 10 millions. Ouais, ça m'a expliqué. Et puis Facebook qui a l'autre note qui vient joindre qui dit c'est 5 millions de 0 à 5 millions. Et bien Philly me dit n'importe qui que Dieu choisit comme un prédestiné qui riche dans l'organisation bah hypothéquer l'évangile un fond de raisin un prédestiné qui ont électé et puis mettez de 0 à 5 millions. Moi, dis-le pour une raison. Et peut-être, nous avons des gens qui parlent de chiffrer de l'autre manière. Mais, mettez-le. Moi, dis, pour l'évangile, pas comme la religion qui a couru des cobs, pas comme la religion des pasteurs qui a vendu un monde. Pour l'argent, nous n'avons pas un ministère ça. Mais comme si une opportunité ainsi, yon prédestiné riche, yon prédestiné, yon élu, qui voulait faire ministère ça cadeau. 5 millions ça. Que non bon Dieu béni, il ouais comme lui ouais qui ça m'a fait. Parce que y a des hommes et des femmes qui pas suivre ministère ça. C'est cause l'argent. Cause l'argent. Et ne pas vouloir rentrer dans de mauvaises conditions pour l'argent rentrer pour le ministère. Ça. Parce que je veux engagement avec mon Dieu pour prêcher l'évangile. Ça. Pur et propre. Je n'ai pas besoin de passer par autre chose. Au contraire, Dieu pouvait lui mettre sauce au ministère. Ça. Avant même, il y a des bagailles qui ban moi d'abord avec intelligence que le ban moi avec énergie propre énergie. Ça veut dire qu'il y a des bagailles pas besoin même. Bon, là on monde quitter pour aller quitter quarantaine, cinquantaine. Il y a des ambitions pas chercher gagner encore. Des ambitions, on va besoin gagner. D'abord on va le quitter. Quarantaine, cinquantaine. Il y a une ambition, une seule ambition que tu as gagnée, sous intelligence, sous son prédestiné, ambition pour me servir Dieu, sincère. De la sincérité, pour yon homme ou femme honnête, dans la vérité. Parce que tant là, après 40 ans sous la terre, 50 ans, 60 ans sous la terre, faut penser aux autres gens. Moi, je dis pour une raison, justement, pour me développer, comprendre des gens qui prennent le temps de, qui prennent le ça et la trier, et mettre le public pour tout le monde ouais ça qu'a fait là. Donc, c'est ça que David là. C'est ça qui homme de Dieu qui dans zone ça, dans la zone où il est reading, c'est lui ça. Que bon Dieu est capable de bénir nous tous. Donc, et puisque la terre, c'est pour bon Dieu avec tout ça que la donne, hey! Je n'ai pas besoin de prier, non? Mais autant marquer, ça vient pour faire la fête, si il bail permission pour ça. Maintenant, merci pour tes communications. Je vais faire part de ça. Le monde entier. Maintenant, nous prenons un texte. Je vous dis à là. C'est dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À la gloire de Dieu. Mais je prends en pile précaution l'homme
à traiter sujet yo. Pourquoi? Il y a un pile moun kap kouten. Un pile bien-aimé kap kouten. Des prédestinés kap kouten. Des élus kap kouten nous. Donc nous saluer yo à travers le monde. Donc c'est pas seul nous, mais il y a un pile kap kouten. Et ce sont des prédestinés. Donc nous besoin voyons bagaille qui propre sous Facebook, sur YouTube, sur réseaux sociaux, yo, pour, parce que l'évangile sont bagaille qui propre, tout ça va faire folle propre. Folle propre pour sortir propre. Et c'est ça Dieu voulait. Il m'a annoncé à tout évangéliste émission Hébreux 13:8. Chaque zami qui a coûté tout ça pour faire. Fais-le propre. Avant, on pral chante un cantique, préparé. M'a suivi sœur Bernadette, bal crédit officiellement, où elle préparait le cantique. Donc, c'est ça. C'est pour le Seigneur. L'on travaille pour le monde. C'est pour bon Dieu à travailler. L'on bénit nom, yon peuple. C'est bon Dieu même qui met au fait ça. Ça veut dire bénédiction en double. Quoi dans ça? Merci en pile. Avant de rentrer dans Mbake bon en pile, même vous les prenez 15 minutes. Et puis pour nous capables de passer à autre chose. Parce que je suis en fait éditorial pour me débattre en vérité que nous fait partie de lui. En allez. Avant de rentrer dans Jean chapitre 9, on prend un texte qui yon problématique, un texte pour garder l'ensemble avec nous. Dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, verset 1er, après quelques versets. 1 Jean chapitre 5, moi, appelé dans deux versions, m'appeler quelques textes dans deux versions ou bien trois versions pour montrer où yon vérité. Parce que, gon campagne dénigrement qu'a fait sur la personne de Jésus-Christ pour dire que Jésus-Christ pas Dieu. Or, puis annoncer que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jusque-là, peut-être qu'il n'y a pas de révélation, il n'y a aucun problème avec ça, mais au besoin qu'on est d'abord, depuis ou pral parler de la Bible, ou pas qu'à parler de la Bible, même avec la littérature française. Non. Même Jean à n'importe quel document. Dans n'importe quel document, ça, ouais, c'est ça. Mais dans la Bible, son mystère, ce n'est pas des choses charnelles. Ça veut dire, la Bible, ce sont des choses, ce sont des choses en esprit. Yoye. Automatiquement, de pour où est la Bible? Selon la chair, li nettement difficile pour comprendre la Bible, chers téléspectateurs, amis auditeurs. Comme Dieu place m'boum redi ou. Et m'a redi ou c'est ça. Ça qui passe, c'est que l'homme a deux histoires. Première histoire, l'homme, son histoire spirituelle. Maintenant, l'homme traversé dans deuxième histoire, c'est histoire terrestre, qui vient inclut péché, la trier. Mais première histoire, l'homme était spirituel.
Raisons qui permettent l'homme des difficultés pour comprendre la Bible. Il y a un mot ou expression nous toujours utilisée pour ça. Il y aurait l'amnésie spirituelle. Alors, m'a parlé avec des élus qui électaient à être sauvés dès avant la fondation du monde. Donc, ils ont possédé des amnésies spirituelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous vîmes des oublis, nous oublier côté sorti. Ça a sorti dans l'homme terrestre, l'homme animal. L'homme animal toujours oublié, l'homme naturel, l'oublier que c'est un esprit. C'est là, ministère, prêcher l'évangile, paraît difficile, mais pour tout le monde qui obéit. C'est pour qu'on ait que, ou d'abord, ou sorti dans l'éternité. L'éternité, pas gain jour, pas gain seconde, pas gain heure, pas gain mois, pas gain année. Ça veut dire, ou t'as vécu dans l'éternité. Dans l'éternité, pas gain maladie, pas gain tension. Pas gagné, tête fait mal, pas gagné cancer, pas gagné sida. Aucune maladie. Pas dans l'éternité. Donc, nous t'avons vivre dans l'éternité. Nous t'avons vivre dans la présence de Dieu. Présence de Dieu, c'est notre vie. La vie éternelle. Maintenant, dans la deuxième histoire, l'homme vini sous la terre. Dieu voyait l'homme en mission sur la terre. Dieu voyait l'homme en mission sur la terre. La terre sont les palais de la terre, ça porte un pile confusion, c'est que nous divisons la terre. Nous baillons aux États-Unis son nation, et Haïti son autre nation. Ça, c'est l'homme qui trace le monde comme ça. C'est l'homme qui trace. Donc, Canada son autre nation, et la France son nation. C'est l'homme qui trace, mais le monde entier, c'est un seul. C'est comme si tu es capable de prendre un building, un caille qui a plusieurs chambres. Et puis, moun ap vivre dans chambre, mais son seul caille. Le monde, son seul caille lié. La terre, son seul caille lié. Voyons. Donc, on prend aux États-Unis son chambre dans Kaila. Canada, son chambre dans Kaila. La France, son chambre dans Kaila. Est-ce que nous pouvons mettre nous sous mute, s'il vous plaît, parce que nous ne pouvons pas. Mettez-nous sous mute. Mettez-nous sous mute. Hors de ça, nous ne pouvons pas attendre l'enseignement. Merci en pile. Ça veut dire, on prend le monde, c'est building, non? Le monde entier, c'est building, non? Donc, chaque nation, c'est chambre building, non? Ça veut dire, le monde, nous habitons dans un seul caille. Maintenant, il y a un seul monde qui dirige caille là. Si un seul monde dirige Kaila, ça veut dire qu'il dirige toute chambre. Tout. Il dirige aux États-Unis son chambre dans Kaila. Haïti son chambre dans Kaila. La France son chambre dans Kaila. Ainsi de suite.
Mais yon seul moun, yon seul être qui dirigeait building nan, c'est le Seigneur Jésus-Christ, n'est autre que lui. Pas de l'autre avant, après, et pas jamais gagné avant et après, qui dirigeait Kaïsa et le monde. Maintenant, puisque nous en mission, nous venons posséder amnésie spirituelle, ça veut dire nous oublier. Nous n'avons seul building, mais plusieurs chambres. Et ce même Dieu, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, pourrait retourner nous, non seul la cour, pour pagayer aucune chambre. Tels que aux États-Unis, Haïti et Latrier. Donc, nous prenons non seul la cour, il y aurait l'éternité. N'a tourné encore dans l'éternité. Mes amis, pas bail mon téléphone nan, qui pas instruit. Parce qu'il y a crasé émission dans nous. Parce que depuis nous mettons moun qui pas instruit, faire une tendée, il y a monté, ou sous les ondes, ou sous radio. Ça veut dire, voir mon n'a passé. Nous pas qu'à faire pour ça. Nous reprenons, pas bail mon numéro de téléphone ça. Moun qui connaît, pas bail mon ni. Ou bien instruit mon nom. Ça veut dire, mon n'a pas payé attention. Voyons. Il pas connaît, il oublie tête li. OK? Donc, n'a pas pour nous tourner dans l'éternité. Mais l'homme oublié s'il était dans l'éternité. Ça, il y aurait l'amnésie spirituelle. L'homme oublié. Donc, Dieu commençait à révéler l'homme pour le retourner à lui-même, sorti dans l'oubli, pour le retourner, pour le connaît côté le sorti. Joue l'homme. Aïe, aïe, aïe. Joue l'homme connaît côté le sorti. Automatiquement, l'homme a bien pour servir le Seigneur. Mais l'homme qui blie côté le sorti, il n'est pas capable de connaître l'existence de Dieu, ça, parce qu'il blie. C'est l'évangile, ces paroles-là qui pour rappeler, pour le connaître que l'été dans l'éternité. Et Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Il est dit, quiconque. Alors, dans une version, dans la version Darby Nelson. Quiconque croit que Jésus est le Christ, verset 1er, 1 Jean 5, verset 1er, quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. Et c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Maintenant, bon, moi, l'île, là, y'a l'autre version. Verset 1er, 1 Jean 1er, verset 5. 1 Jean 1er, 1 Jean chapitre 5, verset 1er. Quiconque croit que Jésus, ça, il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Faut identifier.
Le texte hébraïque relève Yéhova. Alors, Jésus même signifie Yahvé. Donc, Jésus, ça n'a pas les là, il signifie Yéhova le Sauveur. Celui qui sauve est le Messie. Quiconque croit que Jésus est le Messie est engendré de Dieu. Et chacun qui est dévoué à celui qui l'a engendré se sacrifie aussi pour celui qui est engendré de lui. Verset 2. Par ceci, nous connaissons que nous sommes dévoués pour les enfants de Dieu lorsque nous sommes dévoués à Dieu et que nous gardons ses instructions. Mais verset qui est plus intéressant, parce que demain, si Dieu veut, n'a plus chita sous enseignement, c'est le verset 6. Le verset 6 nous dit: le verset 6, alors le verset 5, 1 Jean chapitre 5, verset 5. Dans Darbia, dans version Darbia, il dit: qui est celui qui est victorieux du monde? Sinon celui qui croit. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 6. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, Jésus le Christ, non seulement dans la puissance de l'eau, mais dans la puissance de l'eau et du sang. Verset à continuer. C'est l'esprit qui rend témoignage, car l'esprit est la vérité. Verset 7. Verset, ça a difficile en pile à expliquer. Mais suivez-les. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit et l'eau et le sang. Les trois sont d'accord pour un même témoignage. Généralement, Texas, la religion prend pour expliquer d'une autre manière. Pour dire que Jésus-Christ, c'est deuxième personne de la Trinité, il prend texte à veiller ça. Bon, je vais lire dans l'autre version pour vous et pour me faire une explication. Car le verset 5, qui est celui qui a vaincu cette disposition, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils, le Dieu unique. Ça veut dire, version, ça n'a pas dit, qui est, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils, virgule, pour le dire, le Dieu unique. Version, ça n'a pas dit ça. Version du second, pas dit ça. Ça veut dire, la religion considérait que Jésus-Christ est deuxième personne de la Trinité jusqu'à ce qu'il y ait le croix, c'est trois. Verset 6. Le même est celui qui est venu, avait dit le Dieu unique. Le même est celui qui est venu à travers l'eau et le sang, à savoir Jésus, le Messie, non par l'eau seulement, mais par
par l'eau et le sang, et c'est l'esprit qui en rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent un témoignage avec sublimité: le Père, la parole et cette présence. Le Père, la parole et la sainte présence. N'a dit que bien-aimé cap coûté, cap suivre, le Père, la parole et la sainte présence, ou bien l'Esprit Saint, c'est pas trois personnes qui oyé. Voyons, mais c'est trois dispensations, trois fonctions de la même personne. Une seule personne qui gagne trois grandes fonctions. Fonction du Père, fonction de la parole et fonction de l'Esprit Saint. Ces trois fonctions sont indivisibles. Donc, je voulais expliquer ça, demain, si Dieu veut, n'a bien plus de temps pour nous capables d'interpréter. Donc, c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, le Dieu suprême, pour toutes les amies qui ont coûté, édition Hébreux 13:8. Ceci est tellement vrai, viré Bibou, rapide. Dans 5 minutes, ma bédou comprenne ça. Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu unique, rencontré avec les joignons aveugles nés. Yo nom qui est aveugle de naissance. Depuis le fait, il est aveugle. Il a dit, comme il passait, verset 1er, verset chapitre 9, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Dieu, ça m'a parlé, qui a trois dispensations dans l'IA. Trois fonctions, trois grandes fonctions. Fonction du Père, fonction de la parole, fonction de l'Esprit. Ce ne sont pas trois personnes, mais c'est trois grandes fonctions d'une même personne. Voyons. Donc, rencontrer un homme aveugle dès sa naissance. Discipio te saisi ouais, un homme qui est aveugle dès sa naissance, et discipio interrogé le Seigneur Jésus-Christ, y aurait les rabbis, nan loge, y aurait les nèg sa yo maître. Mais Ndap dit ça avec un groupe pendant ce maintenant. Il n'y a qu'un seul maître, un seul grand maître. Si bon grand maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Après ça, tout reste, ce sont des petits maîtres. Ça veut dire, ou apprendre dans mes grands maîtres, ça. Alors, moun ki nan loge utilise grand maître là dans l'autre dimension. Mais, disciple le Jésus-Christ, rabbi, ça veut dire maître, le maître des maîtres. Il a posé Jésus-Christ question, qui a péché? Parce que disciple de Bédé connaît qui raison nomme sa fête aveugle. Et il a posé Jésus-Christ question, il a dit qui a péché? Est-ce que ces messieurs-là, aïe, 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 est-ce que ces noms aveugles nés, ou bien est-ce que ces parents qui permettent les péchés? Suivez-moi. Pour quel aveugle
dès sa naissance. Jésus-Christ a répondu. Le Dieu unique a répondu. Jésus répondit. Il dit, ni, écoutez, ni celui-ci n'a péché, ça veut dire homme avec le nez, né de sa naissance, non, ce n'est pas lui-même qui péché, qui permet d'y aveugle. Ni ses parents, ce n'est pas parce que parents ne péché qui fait non aveugle. Mais le Dieu unique, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, le maître des maîtres, permet sa arrivée. Écoutez, mais c'est demain si Dieu veut pour m'enseigner ça. Il dit, le maître des maîtres, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, permet non né aveugle. Tandis que la religion, depuis où on est malade, c'est péché. C'est ça le fait la payer. Point à voir, il me maintenant, mais Jésus-Christ dit non. Dans le cas, ça, non. Ce n'est pas parce que l'homme n'a péché. Ce n'est pas parce que parents n'ont pas péché. Mais. C'est afin que les œuvres de Dieu, mes raisons là avec là, c'est pour les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Yon est aveugle, raison justement pour Dieu, ça, le Dieu unique, capable de prêcher l'évangile à travers aveugle là. Pour lui annoncer gloire, lui. Pour gloire, la gloire de Dieu capable de manifester à travers le monde. Maintenant, le verset 4. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il dit, mon job, à savoir Jésus-Christ. Il retournait dans la chair, la parla avec disciples en tant que chair. Il dit, mon job, mon mission, c'est là qui voyait maintenant, c'est l'esprit qui voyait maintenant, faut que me fait job l'IA. Et Jésus-Christ avançait, il dit, tandis qu'il est jour, Jésus-Christ prend l'autre. Rentrer dans l'autre domaine pour l'expliquer. C'est des choses spirituelles. Pendant les disciples, même abgérer les choses charnelles. Ils ont besoin qu'on ait pour qu'ils soient aveugles physiquement. Et puis Jésus-Christ, même besoin pour l'autre dimension. Il dit, tandis qu'il les jours, pendant qu'il les jours, la palais de tête qu'on y a, le jour ici représente Jésus-Christ qui c'est la lumière. Il dit, mais la nuit, ténèbres a avancé. Les ténèbres avancé, personne n'est pas capable de travailler. Mais ténèbres, ça la palais yon ténèbres qui ken genye actuellement là, qui c'est la religion à travers le monde. Maintenant, il dit, pendant, verset 5, pendant que je suis dans le monde, ces lumières-là, pendant que je suis dans le monde, ayant dit ces choses, pendant la parler là, il dit, pendant que je suis dans le monde là, mais ça m'a fait, il prend un crachat qui sort dans la bouche, il cracha. En terre, cracher Jésus-Christ, c'est l'esprit. L'esprit Jésus-Christ. Et c'est comme ça Jésus-Christ fait l'homme. Il prend l'esprit,
li maintenant l'homme li fait une boule, il prend la terre, il fait yon, il prend poussière terre et puis il font masse et puis il prend l'esprit, il mettait dans l'homme. Même bagarre là pour arriver là, pendant ce temps, le monde a dit Jésus-Christ pas Dieu, Dieu vient sous la terre, Dieu a exercé et œuvre à travers des élus, le monde pas ouais ça. Car il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Il cracha en terre, pas oublier de cracher Jésus, c'est l'esprit. Il cracha en terre et fit de la boue et mit de la boue comme sur ses yeux. Et ça le dit, messieurs, hein? Il dit, gardez non, va, lave-toi au réservoir de Siloé. Ce qui est interprété, envoyé. Il s'en alla donc et se lava et revint voyant. L'homme qui était aveugle né. Hein? Ah, well. Que bon Dieu bénisse nous, donc l'impossible, pour me capable de continuer. Donc, trop bruit, il y a mon petit genre impossible. Donc, n'a fini demain si Dieu veut. Et, gon révélation d'Edo Forwell, donc, les chapitres là, et puis, bon, il y a un petit genre difficile pour elle, parce qu'elle prend sur les ondes, l'a mal passé. Donc, que le Seigneur capable bénir chaque bien-aimé qui t'a écouté. Et qui t'attendait, si bon bien-aimé qui t'a aimé, bye bon Dieu, gloire non quantique, il est capable de faire ça à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.